Ursa. Tout ce qui s'ensuit, là, tout ça. Moi, j'ai toujours pas, il est réglé, là. Bon, je laisse comme ça. Déjà, je me sers de pas mal de choses. Et 73, Eric. Ah, 73, oui. Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un. Autrement, oui, pour ta question, t'as raison, on dirait. Ah, mais oui, hier soir, je suis venu, il n'y a personne. Ce soir, je dis, il n'y a personne, c'est calme. Bon, comment vas-tu, Rémi? Bah, demain matin, le pro. Après-demain matin, le pro aussi. Ah, t'as des QRM de ton côté, on dirait. Tu m'entends plus, Eric? Si, si, mais j'étais surmodulé par les étrangers. Hein. Ah d'accord, j'ai rien entendu de mon côté. Ouais, je disais, demain le pro, après-demain le pro. Ah oui, mais oui, c'est parce qu'il y a des cas de force majeure. Eh oui, donc ben, demain matin, tu m'entendras pas. Je sais, il y a Michel qui a lancé quelques appels comme ça pour voir, et puis voilà, c'est tout. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Ben oui, voilà, donc il se réserve pour voter pour demain, quoi. C'est pour mieux dire après qu'il n'y a plus rien sur les 40 canaux. Mais Ludovic n'avait pas dit qu'il était absent le dernier coup? Je sais plus. Ouais, il était pas là, je crois. Fredo non plus, je crois.
Ok, d'accord, ouais, bon, bah, tout le monde s'est calé sur ça, et puis voilà, quoi. Ah, chez trois coups, il y est toute la journée de brancher dessus. Je crois qu'il doit rester branché dessus même quand il n'est pas là, quoi. Tu le trouveras sur le 27 530. Voilà. Eh, t'es, le QSO national devient international. T'es, je suis surpris, là, sur le coup. Les 73, Michel. Si, si, il m'arrive à Santiago 1, Santiago 2, à peu près. Hein. J'ai pas le web SDR à côté de moi, donc là, je peux pas regarder de ce côté-là ce que ça donne. Il est peut-être en train de tirer entre nous deux, quoi. Deux, trois, je me vais au bois. Oui, ça passe aussi de mon côté. Santiago, Santiago 4. Quelle grève! Là, j'ai loupé un passage, un bon passage même. C'est vrai que ça cracotait de tous les côtés, mais tout à l'heure un peu aussi. Hein. Et de bah, toute façon, comment dire, les patrons du QSO sont pas là, donc forcément c'est difficile de travailler dessus. Hachi. Tarder à être surmodulé, moi là.
J'ai un sifflement là qui arrive avec. Bon, ben, je crois que c'est fini de mon côté, j'entends plus personne. Ah si, t'arrives à passer un peu dessus. J'ai un espèce de sifflement, je sais pas quoi, de l'Arcel là, qui m'arrive à Santiago 4, si j'ai bien vu. Oui. Oui, Eric. Oui, Michel. Tu sais que je suis obligé de baisser. Et l'ordinateur, on va pouvoir parler dans les micros. Alors, t'as peut-être appelé au moment où, comment dirais-je, j'avais baissé le son de l'ordinateur pour éviter le retour que ça fait. En disant, toi qui connais, tu sais que les uns ne sont pas loin des autres. Alors, c'est peut-être à ce moment-là que t'as appelé, parce que tu t'as fait de réfléchir quand même. Moi, je t'attends toujours. Je t'entends même quand tu as sur votre fréquence, et ça n'a aucun problème. Alors j'ai dit là, mais c'est vrai que des fois, je suis obligé de baisser là pour pouvoir parler avec toi. Ah ouais, parce que je te dis, j'ai appelé deux ou trois appels avec un intermittence, personne. Mais alors, pas un chat. Hein. Alors, du coup, après, j'ai tout curté. Oh, mais il y en a qui s'amusent, là. Bon, est-ce que t'as passé une bonne semaine, oui. Oh, ben, au pro, et toi? Oh, ben, oui, entre ma belle-mère à l'hôpital, ma fille était partie en Italie. Ouais, d'accord, je vois, c'était la fête à la maison, hachis trois coups. Ouais. Voilà, elle est rentrée ce soir, ma petite, là, tu vois. Et on était contente, ça s'est bien passé. Elle était partie à l'école pendant une semaine. Elle était partie le 1er mai, puis elle est rentrée ce soir. D'accord. Et toi, Michel, comment vas-tu? Oh, vous voyez, ça va pas trop mal. Excusez-moi, j'avais un petit problème, et c'est moi qui faisais une porteuse. Après, mon micro, du moins, hein. Ah oui, je reconnais un petit peu le sifflement, oui. Bon, c'est pas méchant. Là, c'est parce qu'avec le web SDR à côté, forcément, ça faisait un retour d'enceinte dans le micro, et puis voilà, quoi. Ouais, bon, mais y a personne qui veut participer au QSO, pardon. En fréquence, 73-51 de 14 Victor Eco 27, 14 ODR 027 signal, et vous salue à tous, est-ce qu'il y a du monde pour le QSO national? Michel, la tour de contrôle, je resterai pas longtemps. Hein.
Moi je suis resté radio.
si elle est derrière, quand même un secours au cas où. Mais tu dis que t'as peur qu'on t'entende pas, sur le blayer, tu m'arrives avec un signal de 3 et 4, une très très bonne radio. Allez, retour à toi et tu fais tourner. Apparemment, il n'a pas entendu. Apparemment, il se reçoit un peu trop fort, Hervé Michel. Et là, je suis baptisé, mais il y a du décalage. Hein. Il y a du décalage, hein. Bon, les 60 réservés, bon, de mon côté, là, je suis sur Bordeleur, là, au front, en plein dans un nid de QRM. Et dans les poches, là, moi aussi, là, je suis en mobile, j'arrive à t'entendre aussi, quoi. Par contre, je suis en train d'en regarder l'heure. Ouais, je reviens dans quelques minutes. Pas de soucis, Rémi, vas-y, fais ce que t'as à faire, c'est normal, voilà. Allez, Lucky Luke, retourne sur toi. Lucky Luke n'est pas encore revenu. Bon, on retourne sur Hervé, vas-y. Ok, maintenant sur le micro, je reviens bien aller voir le petit ami, je ne sais pas si tu m'entends. Rémi, est-ce que tu m'entends? Attends, Rémi, il a fait le TRX là, parce qu'il revient dans quelques minutes. Voilà. Allez, retour sur la tour de contrôle. Ils sont tous partis au coin. Bon, Hervé, ton petit repas de famille, alors? Oui, oui, bah, c'est le matin. Terminé, bien joué, d'accord. Ok, on vient de la présence, alors après, pour rentrer, voilà. Bon, est-ce qu'il y a du monde qui veulent participer au QSO national? C'est le moment là-bas. Ok, oui, sans problème. Bonne journée à toi aussi. À plus tard. Bon, la tour de contrôle, tu vas là? J'entends un pays étranger qui survole. Alors pour moi c'est difficile sur la radio. Ok, Rémi est parti en QRX hein, et il revient dans quelques minutes. Et je ne sais pas où est Lucky Luke, c'est par là? Qui veulent rentrer pour le QSO national du dimanche matin, profitez-en en avant. Bonjour, bonjour, Christophe Lamoran, voilà, de retour. Ok Rémi, il n'y a pas de problème, il y a Christophe Lamoran qui vient d'arriver. Salut Christophe, retour à toi. Oui, bonjour, allez, Rémi, à toi. Ok, je n'ai pas du tout sorti, là, les 73 Christophe. Je vais peut-être allumer le moteur là, pour qu'il puisse m'entendre un petit peu. Ouais, Christophe, tu l'entends, Rémi? Ok, bon Rémi, tu l'as
monsieur? Non, pas du tout. Bon, voilà, j'ai mis le moteur en route, j'ai la boîte de mirror qui est branchée. Voilà, j'ai entre 5 et 7 points de QRM là, dans le push, là où je suis garé. Hein. Et je peux rien faire là pour éviter ça. Quoi. Mais bon, 73 Christophe, je pense que là tu devrais arriver à m'entendre un peu. Ah oui, je crois que c'est ton QTH, c'est quoi déjà? C'est pas le rayon, c'est ça?
c'est tout à fait. La limite des 33 et 17 à quelques kilomètres à vol d'oiseau de la ville de Blagne, sur le bord de l'estuaire. Ah oui, oh là là, fou fou. D'accord, je veux dire vraiment à côté de la plaque, hein. D'ailleurs, cette blague, c'est pas pareil. Ah oui, oui, faut prendre le bac. Oui, vous passez par ça, dans le cul-sac. Allez, retour, arrivé. Ok, je suis en train de regarder un nouveau l'heure. Toi, c'est le bordel hein, quand je suis au pont hein, pour pouvoir moduler. Hein. Là, par contre, il va vraiment falloir que je fasse QRT car j'ai un autre truc à faire. Les bons sont très 51 à tous. Content de vous avoir eu un petit peu en fréquence. Et ben, à la prochaine. À la prochaine sur les ondes. Ok, Rémi, il n'y a pas de souci. Vivement, bon courage. Hein. Oui, en plus, il fait pas froid là aujourd'hui. Hein. Là, on va avoir une espèce de soleil qui commence bien à taper. Dès la première ronde, tu vois, j'ai commencé à tout sortir. Là, ça va être sympa là aujourd'hui. Ok, à plus et bon apéro pour tout à l'heure. Ok, t'es là jusqu'à quelle heure? Ah, jusqu'à 19h. Et demain, ben, je remets ça, la même chose, la même punition, au même endroit. Ok, pas de souci. Mais bon courage toi aussi. Ok, à plus. Une petite question, comment il fait pour les voter? Il a dû faire une procuration. Je choisis la main droite ou la main gauche et puis j'astique. Voilà, et en espérant que ça marche. Ah bon, d'accord. Eh ben oui, je suis... je dirais bien, je suis puni, mais bon, j'ai pas le choix. J'ai un boulot qui est assez particulier qui fait que ben, qu'on peut pas me remplacer, quoi. Ou plutôt qu'il n'y a pas de possibilité de me remplacer. Tu fais la procuration. Ah ça, il aurait fallu que je m'achète un cerveau et que j'y pense plutôt. Aïe aïe aïe, au dernier moment, c'est sûr que c'est pas possible. Ouais, je suis en train de voir des lèvres, faut vraiment que je passe QRT. Hein. Allez, les 73, bon apéro pour tout à l'heure et bon week-end, enfin bon dimanche et bon lundi. Ok, bye bye. Allez, est-ce qu'il y a des stations qui veulent rentrer, qui sont nationales, allez-y. Dommage, il n'y a pas grand monde. Pour info, tout à l'heure, Richard, il y avait Hervé qui était invité à midi, là, donc, qui était en stand-by dans le véhicule et qui nous a fait un petit coucou. Hein. Hervé, tu sais, du côté de Vermont, là. Ok, d'accord. Je m'en peux pas guider, mais bon, ça ne fait rien. Je dis ok, d'accord, mais je sais qui est Hervé. Hervé 33. Hervé 33. Bon, je t'explique, laisse tomber. Bon, Christophe de la Gourmand, est-ce que tu es toujours derrière?